7h46, ça me fait peur. J'étais là. Ah ouais, c'est vrai. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. Vous n'êtes pas connecté à internet? Faut ma gueule. Ouh! Allez! Tac, on va faire les deux portes. Je sauvegarde, comme ça au moins c'est fait. On va pas s'emmerder à les faire à chaque fois. Voilà, hop, on va sauvegarder. On peut sauvegarder, hein. Oh les bâtards! Tu peux sauvegarder? Putain, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais mourir, je vais me retaper ça. Oh les bâtards. Oh la charrette qui l'a mon ordi. Tac. Il y avait l'accueil. Un, deux, un, deux. Tiens, je peux tester mon son. Ok, c'est bon. J'avais une bonne petite pub qui fait plaisir. Ah putain! Ah, ça, j'y peux rien. Je te reçois, Jackson. Ça va ou quoi? Quoi de neuf? Là, ça se trouve, ça va durer. Là, le live, il peut durer 20 minutes. Comme il peut durer 1h30. Hein. Explosé, ah ouais? Ah, il a stream jusqu'à midi du coup? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ou 24 heures? Non, il travaille demain. Non, là il me reste juste la fin. Hein? Ah, il y a des gens qui ont remis de l'argent. Casse-toi. Gardez votre calme. C'est juste la vieille station qui craque.
Oh, y en a qui sont resub ou qui ont fait des dons. Oh là là. Ah putain. Et je sais même pas, après peut-être, je sais pas si c'est un gros streamer ton pote. Il s'appelle Oui. Je sais pas si ton pote c'est un gros streamer, mais est-ce que genre il paye ses modérateurs ou pas? Je sais même pas si les autres streamers ils payent leurs modérateurs ou c'est gratuit en vrai. Genre les gens ils font vraiment ça gratuit. Mais je vais où moi? J'ai rempli un sac avec le nécessaire et j'ai ramassé quelques trucs sur le chemin. Ah ouais! Sûr de ne croiser personne. Il y a trop de gens armés à présent. Attends, 1000. Ah ouais, 1000 viewers. Ah ouais! Ah ouais, putain, c'est bien ça! Je suis pas ma boule. Ah ouais! Je suis à l'écart et pas loin du terminal. Donc si le premier acte, un vaisseau se pointe, je serai en première classe. Ah ouais, c'est un bon streamer alors, hein! M&M's. Ah ouais, c'est quand même un... Je sais pas si on peut dire gros streamer, mais c'est un... C'est un beau bébé, quoi. Ah ça, il est bien, ah ouais, ouais. Ah oui, entre lui et moi, quoi, il y a un monde, quoi. Je déteste ça. Il te paiera en sneakers. Oh là. Non, c'est peut-être mieux de passer par là. Hein. Ça, c'est mieux de passer par là. Hein. En Twix, c'est à la limite. Ah, est-ce que tu sais pas toi si. Est-ce que les... par exemple, je sais pas si ton pote il. Il gagne beaucoup d'argent sur Twitch ou quoi, hein. En bica comme il veut. Oh putain la vache. Bah je pense que les gros streamers ils payent leurs modérateurs, je pense. Hein. Oh putain la vache. Un très bon chiffre, bah ouais, tu m'étonnes. Salut, personne soyeuse, ça va ou quoi? Bah oui, tu m'étonnes. Un très bon chiffre. Mais non, faut pas que je passe par là. Putain, l'enregistrement, qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Ça va ou quoi, personne soyeuse? Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été... Là c'est un petit stream Je sais que vous faites du mouron, mais... Putain, mais t'es con. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie... Ça va, 10 bits, je crois que c'est pas beaucoup, mais vous êtes pas obligé de donner, hein. Avant qu'il en tape. Son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ici le capitaine Dallas. Ça casse pas trois pattes à un canard. Premier rapport depuis notre voyage retour de notre séjour sur Tedus. Quand on sera rentré, j'aimerais une réunion 10 bits, avec 10 bits. J'ai gagné 20 bits. Mon officier scientifique a été remplacé sans aucune raison évoquée. Ce nouveau venu est très doué. Il y avait un Québécois aussi qui m'avait donné 10 bits. Je trouve ça un peu abusé pour ce genre de choses. Je voudrais juste qu'on m'explique. On sera prêt au chargement une fois l'appel... Du 100 Dallas, capitaine du... 100, c'est quoi? C'est 1000? Non, c'est 100. À 100. Qui ça? Ah, sur ton sur le... Sauf si je suis con. Sur le stream de ton pote. Ah bah c'est bien, hein, en vrai, hein.
Bon après, il a eu un peu en faisant du chantage un peu. Moi j'aime pas trop. Hein. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Hein. J'aime pas trop ce qui se passe. Oh putain, tout ce qu'il faut, wesh. Pff, bon minimum. Quelqu'un doit être au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce que... Il s'en bat les couilles. En dessous, il se met pas en dessous ce connard. Putain, il se met pas en dessous ce connard. Il va attendre que ça se calme. C'est nous qui avons lancé le défi. Oh là là, bah c'est bien. Et il a des subs et tout. Ça va, il a combien de subs? Est-ce qu'il a une barre de dons? Avec une objectif de sub ou pas? Son manager? Comment ça son manager? 13, 20 subs. Ah, il a 13 subs sur 20. Ah, j'aime pas, moi j'aime, ça me chauffe pas de faire ça en vrai. Voilà. Il a un manager. Pff, non mais... oh yes, ça se garde. Je me suis emmerdé en fait à passer les QTR. Mais c'est un manager, genre un vrai manager, non. Ah ouais, c'est bizarre ça. Et genre il lui dit quoi Et genre il lui dit quoi son manager? Ok. J'allais l'insulter hein. Ouais, c'est un manager vite fait quoi, c'est. Enfin c'est son taf mais pour ton pote c'est plus manager comme ça quoi, c'est juste histoire de quoi. Quand tu veux là la manette. De manger. Il fait son taf de manger, wesh. Je t'ai dit, c'est un gratteur. Ça va. Écoute-moi. Ouais, c'est ça. Oh, mais il est là, lui. C'est du cargo. Par favor. De manger. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Elle est tombée hier, là, quand j'ai streamé, là. Moi, on m'a dit, j'ai dit, vas-y, j'arrête à 2h. On m'a dit, vas-y, tranquille, arrête à 3h, c'est le week-end. Hop, je continue, je vais jusqu'à 3h. Je me dis, vas-y, je suis chaud, je vais jusqu'à 3h. Et il était 3h10, je me dis, vas-y, je vais 3h, 3h30, on arrondit, quoi. Et on me dit, ouais, mais là, t'as vu, t'arrives sur la fin et tout, il te reste plus que même pas une heure, quoi. Je me dis, bah, attends. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, comme il m'a dit, il me reste plus qu'une heure. Je me dis en vrai, moi, comme du coup, souvent les streams, ils durent. Comme je suis en semaine, je travaille quoi. Ça dure en 3 heures. Je fais ça à 22h30, je finis à 1h30 du matin. Ça fait 3 heures, c'est bien, tu vois. Je me dis, et une fois, je me suis déjà fait avoir. C'était un jeu, on m'avait dit, j'avais regardé sur internet un épisode qui durait 3 heures. Et en final, l'épisode, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu à choix. Et par rapport à tes choix, tu peux avoir d'autres trucs. Du coup, là, l'épisode, il pourrait durer 3 heures, quoi. Mais moi, j'ai fait des choix, et en fait, qu'on coupait l'épisode, on va dire. Et en gros, bah, l'épisode, il a duré que 1h20. Sauf que du coup, j'étais comme un con. J'étais en mode, bah, ok, super, bah, 1h20, du coup, je fais quoi maintenant? J'avais prévu ce jeu-là, moi. Bah, je suis baisé, en fait.
Et c'est là qu'on a commencé. Justement, c'est là, je crois qu'on a commencé l'isolation. Et comme là, il m'a dit, ouais, t'inquiète, il reste plus qu'une heure. Je me dis, bon, allez, c'est le week-end. Il est 3h30. 4h30, on a fini. 3h. Non, 4h30, on a fini. J'avance. Ouais, tranquille, il reste plus qu'une. Même pas une heure. Je continue. J'arrive, wesh. 7h, 6h. 6h30, 7h, 7h30, 7h40, 8h. Mais je me dis, wesh. Et à chaque fois, hein, j'arrive dans un truc, genre je m'enfuis dans un vaisseau. Hop, là non, à un moment, j'arrive, je m'enfuis dans un vaisseau, j'arrive à l'alien. Hop, je m'enfuis de l'alien, je me dis c'est bon. On s'enfuit, c'est bon, c'était le truc final, on a réussi, tu vois. Non. Il faut aller faire surchauffer le disjoncteur de je sais pas quoi. Ok, je me dis bon, ok, disjoncteur, vas-y, on va le disjoncter. On va le rendre ouf, tu vois. Ouais, de ouf. Attends, je me dis, ok, faut faire disjoncter le truc. J'y vais, je fais disjoncter. Je me dis, c'est bon. Les aliens, on les a esquivés, on les a tués. Ah non, en fait, il y a des aliens, ils sont introduits dans le vaisseau. Et maintenant, faut que ton vaisseau. Il y a encore des aliens, tout ça, faut que tu les bloques encore. Ok, je les bloque, hop. Et là, maintenant, j'arrive, je me dis, c'est bon. Je suis dans mon vaisseau, je me casse. Ah non. Il faut que t'ailles chercher ton pote Ricardo. Ok, bah vas-y, on y va. Et là, maintenant, faut que j'aille chercher le torrent de je sais pas quoi. Attends, c'est quoi? Trouver un moyen de contacter le torrent. À chaque fois, je me dis, bon, c'est bon. Bah, c'est bon, on a fini, là. Ah non, en fait, il faut que t'ailles chercher Michel. Ok, bon, on va chercher Michel. C'est bon, j'ai Michel, je fais quoi? Ah non, en fait, il faut que d'abord que t'ailles chercher... Faut que t'ailles chercher le vaisseau. Ok, je vais chercher le vaisseau. C'est bon, j'ai le vaisseau. Attends, il faut faire le plan du vaisseau. Ok, bah je vais chercher où? Bah, attends, il faut chercher le bidon d'essence. Ok, je vais chercher le bidon d'essence. Je peux faire quoi? Ah non, mais le bidon d'essence, il est vide là en fait. Faut aller le remplir à tel endroit. Bah tiens, la carte. Oh, t'es en manie de ta mère aussi. Bah, c'est quand qu'on finit, wesh? Ah, c'est exactement ça. Mais c'est un truc de ouf là. Et là, je me suis dit, vas-y. Et comme moi, le dimanche, que je fais? Je me dis, je mets mes rediffs sur YouTube. Et du coup, je me dis, putain, fais chier, il me reste quoi? Même pas ce truc, il me reste une heure, tu vois. Et je me dis, je vais pas le mettre en semaine, t'es comme je t'ai dit, j'ai pas envie de faire un live de une heure. Je sais pas, je te dis une connerie, demain, je commence à 22h30, je fais un live de une heure, donc à 23h30, je finis à l'isolation et je repars sur un autre jeu. Je vois la flemme, je préfère faire une semaine, on va dire 9, quoi. Soit je mets un nouveau jeu, ou soit je fais que du Dark Souls, quoi. Et là, je me dis, vas-y, sa mère, je relance. Peut-être que ça sera fini bientôt, mais là, tu vois, du coup, faut que je contacte le torrent. Là, faut que je contacte le vaisseau dans lequel j'étais venu. Après, faut que je revienne chercher Ricardo. Je pense que peut-être on va repartir ensemble. Peut-être qu'il y aura des ennemis et tout qu'il faudrait esquiver. Ah, il y aura des portes à réactiver avec des ordinateurs. Bah, ça va être un délire. Hein. Oh, je suis pas prêt là. Hein. Putain. Ah, c'est un truc, c'est. Après, c'est. Moi, ça me dérange pas, hein. C'est pas le jeu, il est nul ou quoi. Hein. Mais c'est juste que je me dis, putain, j'avais envie de le finir ce jeu en fait. Et du coup, s'il me reste qu'une heure, en fait, pour le planning de stream, je suis dans la merde, en fait, ça me fout dans la merde quoi. Enfin, ça me fout dans la merde, c'est plus chiant que. Qu'un problème quoi. Du coup, là, j'espère que je vais finir à. Il est 21h30 là. J'espère qu'à 22h30, allez 23h maximum, j'ai fini quoi. En sachant que, comme je t'ai dit, faut aller contacter le vaisseau. Après, faut aller chercher Ricardo. Il y aura des ennemis et tout. Et plus le nombre de fois où je vais mourir. Hein. Et qu'il faudra recommencer. Encore là, ça va, il y a des sauvegardes. Mais des fois, je vais mourir, faudra recommencer. Et c'est pas fini. Ah putain. On va y arriver bordel hein. Ah ouais. Mais le jeu est bien. Après quoique à un moment donné j'ai eu un bug à moitié. Oh ça m'a cassé les goûts. Je sais pas, je passe dans un tunnel. J'étais là avec des aliens. Et il y avait des petits facehuggers. Je sais pas si tu connais dans Alien, c'est les petits bébés aliens à moitié.
Et genre, je passais dans un tunnel et le bébé alien il me niquait, mais à l'extérieur du tunnel. C'est-à-dire que la bestiole elle était à l'extérieur du tunnel, moi j'étais dans le tunnel et il y avait un bug qui me sortait du tunnel, qui me butait. Et ça j'ai recommencé en 7-8 fois, j'ai rien compris. On a regardé sur internet et tout comme ça, un délire. Et on a vu une vidéo d'un mec qui brûlait un... qui se faisait avoir aussi. Et du coup en fait, du coup je t'ai dit, hein, la bestiole, elle sautait. De l'extérieur du tunnel, moi j'étais dans le tunnel, donc la bestiole elle était là, elle me ramenait comme ça, mais c'est pas son pouvoir, hein. C'est genre un bug, normalement t'es là, la bestiole elle te saute dessus. Là non, je suis dans le tunnel, je passe comme ça à baisser comme ça, tu vois, et la bestiole elle saute comme ça, et il y a un bug qui va et qui m'attaque. Et du coup, je t'ai dit, la bestiole elle saute comme ça, tu te dis, bah la bestiole elle est peut-être là, J'ai tout brûlé, machin, tapé avec la clé à molette partout par terre. Je me suis fait niquer. On a vu une vidéo d'un mec, il rentre dans le tunnel, il se fait avoir aussi. Et après, il rentre dans le tunnel et il crame tout dans le tunnel. T'es là, il rentre dans le tunnel, il crame tout comme ça. Sauf que moi, je me suis dit, c'est pas logique, la bestiole, elle arrive comme ça, elle me ramène comme ça. Et j'arrive dans le tunnel, je crame tout et la bestiole, elle était là. Elle était juste devant moi. Pas logique ce bug en fait. Attends, mais c'est quoi cette merde en fait là? Et ça m'a cassé les couilles, mais ça m'a niqué le jeu, quoi. Sinon, le jeu, il était hyper bien, mais franchement, c'était vraiment le truc de merde qui m'a cassé les couilles. Ça m'a saoulé. Sinon, le jeu est hyper bien, en vrai. Ah ouais, c'est vrai, aussi. Oh là là, mais dans la même zone, aussi, hein. On désactivait des trucs et tout. C'est où, ça, là? Je suis où, moi? On devait activer des un truc pour l'électricité. Pour l'électricité, et au final, j'ai fait tous les chemins des cul-de-sac et tout, j'ai rien compris. Bonjour monsieur. Ah, il est un peu mort. Attends, je disais quoi? Ouais, fallait trouver un truc, un passage, je sais même pas. J'ai fait tous les passages, c'était des cul-de-sac? J'ai pas compris. Et comment on s'appelle, ça doit être là, je pense. Ok, bon, ça doit être là. J'avance et tout, oui, je comprends rien, ça me casse les couilles. Pourtant, j'ai mis la luminosité à fond, hein. Je vois rien. Pareil, on regarde sur internet la même zone, hein, vraiment, la même zone pourrie. Vraiment, cette zone-là était vraiment éclatée. Hein. On regarde sur internet, c'était un petit trou tout pourri que tu pouvais même pas voir. En gros, fallait vraiment que tu te baisses. Moi, j'ai la luminosité. Là, j'ai la luminosité à fond. Hein. C'est-à-dire que moi, en vrai, normalement, le jeu, il est comme ça. Vidéo. Le jeu, normalement, il est comme ça. Normalement, le jeu, il est comme ça. De base. Sauf que moi, franchement, mais moi je vois rien. T'as vu, ça a rien à voir, hein. Mais moi, franchement, je vois que dalle. Sauf que des fois, je sais, par exemple, au début du jeu, j'ai galéré et j'avais pas d'armes. On voit beaucoup, dis donc. Je sais pas. Moi, apparemment, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui voient pas. Moi, perso, je vois rien. Et par exemple, un jour, c'était au début du jeu quand j'ai commencé. Au début, je cherche et tout, je fais tous les chemins, je comprends rien et tout. Et c'était juste une trappe de merde ici. Une petite trappe de merde. Depuis tout à l'heure, je marche dessus, il fait noir. Et quand j'ai commencé le jeu, en gros, l'histoire, c'est en gros, t'arrives dans un truc. Toi, tu fais partie d'un truc d'exploration où tu vas chercher tes potes où t'as plus de nouvelles. Et tu rentres dedans et en gros, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Sauf que du coup, tu rentres dedans, t'es pas armé, t'as pas d'armes, t'as pas de trucs, tu vois. Tu dis, bon, bah, c'est juste, on va voir ce qui se passe, quoi. Du coup, dans le jeu, t'as pas de lupiote comme ça au début. Attends. Du coup, au début, t'as pas de lumière comme ça. C'est-à-dire que tu joues comme ça, t'avances. Et tu marches partout. Il y avait une trappe ici, juste là. Enfin, pas ici, mais tu sais, au début. Et je marchais dessus, je l'ai jamais vu. Et là, je me suis dit, nique sa mère. De toute façon, moi, je vois rien. Moi, je vois rien. Je dis, vas-y, je fais comme ça. Après, en plus, c'est pas, ça va, je trouve, c'est pas trop ridicule, tu vois. C'est pas un flash de ouf, quoi.
Ouais, pour la trappe là. Tu vois la trappe que je te parle ou pas? Derrière la moitié des trucs de barre à moitié. Peut-être t'as des trucs comme ça à moitié. Et au milieu t'as une trappe. J'étais LS. Et ton pote aussi il a galéré ou pas? Parce qu'en plus t'as pas de truc pour te dire ouais, il y a une trappe à chercher ou quoi. Non, non. T'as un point rond comme ça et tu dois chercher dans cette zone quoi. Ouais, il a galéré aussi. La même. Bah le premier, bah, peut-être pas tout le premier chapitre, je sais plus hein. Mais je sais que la trappe moi, bah, ça m'a niqué tout mon truc hein. Je me suis dit oh là là. Et en plus moi j'aime pas trop chercher, des fois il y a des trucs. Moi je suis un peu con. Du coup moi des fois je suis un peu nul quoi. Genre par exemple j'ai fait Amnesia. Par exemple, j'ai fait Amnésia. Ça va ou quoi? Justement, on parlait de la fin de des trucs où j'ai galéré là sur. Je comprends rien. Non, Amnésia, justement, je disais Amnésia, ça m'avait saoulé. Ah bah oui, non mais sur Amnésia ou sur Alien Isolation? Bah surtout si lui il l'a fait dans le noir comme je t'ai dit là, moi franchement impossible, hein. Les deux, je crois. Amnésia, moi j'ai fait le premier, j'ai voulu faire le premier. Et là, celui-là, c'est encore pire parce que du coup, tu peux pas gérer la luminosité. Et en plus, t'as des délires en mode, comme là, par exemple, ma lumière là. Et bah, il y a de la batterie. C'est-à-dire que si t'as plus de batterie, que tu joues dans le noir, et bah, t'es dans la merde, tu vois plus rien. Et bah, Amnésia, c'est exactement ça. T'as des sortes de bougies, des sortes d'allumettes pour allumer des bougies sur les murs. Et t'as ta loupiote comme ça pour t'éclairer. Sauf qu'à un moment donné, j'ai tellement mis de temps à chercher, et c'était, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de carte en plus, je crois. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de, j'avais plus de lumière, plus de carte, plus de luminosité, et je savais plus où chercher, j'étais perdu. J'ai dit nique sa mère, allez hop, c'est bon, j'arrête, ça m'a saoulé. Mais ouais, je sais pas, c'est, après, moi, je sais pas, moi je t'ai dit, j'ai pas de patience, hein, mais franchement, c'est mort. Quoi? Ah, il y a un autre ordinateur, ok. Mais ouais, non, c'est mort. Va faire quoi là? Ils sont cons quoi. J'ai loupé un truc ou pas là? Bonsoir Arca. Du coup ouais je disais je vais finir. Ah putain. Du coup ouais je disais Arca, je vais finir le. Je vais essayer de finir le jeu ce soir. C'est quoi leur truc de merde à chaque fois? J'espère pas, putain. Non, mais ça va pas durer 3 heures, c'est impossible. C'est bon? T'es 1137. Non, non, ça va pas durer 3 heures. Hein. Mais j'espère, je t'ai dit, à 23 h, je crois que ça sera fini. Hein. Avant 23 h même. Je fais des trucs, je comprends rien. Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok, je vais dehors. Bah, faut ouvrir, hein, madame. Ah, c'est bon.
Allez! Des fois, c'est chiant, des fois. Il faut être hyper précis, des fois, pour appuyer sur un. Pour faire une touche d'action. Oh la putain. Putain, c'est loin! Putain, si ça dure 3 heures, je suis dans la chez le seum. Hein. Parce que franchement, j'aurais su, j'aurais pu le faire dimanche. Hein. Là, c'est bon. 3 heures, t'as pas dormi? Putain. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Libyen quoi? De quoi? Ah, ça fait 30 presque. Quoi, j'ai dit quoi moi? Ah non, je suis trop con. Trop bizarre. J'ai lu ton message. Non, j'ai lu le message que t'as mis et en même temps j'ai regardé l'autre message avant. Genre, si ça dure 3 heures, je serais plus là et ça fait presque 36 heures, j'ai pas dormi. Du coup, ça fait presque 3 heures, j'ai pas dormi. Aucune logique. Allez, mon pote. 36 heures, bah dors wesh. Qu'est-ce que je te dise quoi là. Allez. Mais je pense Amnésia, je le retesterai, mais je vais faire le dernier directement, je pense. Bah les couilles de faire la trilogie de mes couilles, de je sais pas quoi. Puis l'histoire elle a l'air éclatée, je trouve. Parce que j'ai eu un peu dans l'Amnésia 1. C'est où c'est là? Ouais, j'ai rien compris là. C'est là. Ok. C'est bon? Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Après, pour son pote, s'il veut un bon jeu d'horreur, moi que j'ai bien aimé, c'est Made of Scare. Franchement, il est pas mal. Même l'histoire est stylée et tout, c'est pas mal, j'aime bien. Puis je crois qu'il coûte pas cher en plus. Hein. Made of Care, ouais. Comme ça. Made of Scar, je crois, c'est comme ça. Et toi, t'habites chez tes parents ou t'as ton propre appartement? Tes parents, est-ce que tu leur as dit que. Je sais pas si t'as visité tes parents, est-ce que tu leur as dit que t'étais modératrice sur un chat ou est-ce qu'ils comprennent rien du tout? Ou tu leur as rien dit? Ni l'un ni l'autre. Ah, tu leur as rien dit? Il s'en tape. Ça, je me mets à la place d'un parent, je me dis ah, c'est chelou quoi mon fils wesh, ou ma fille il reste 36 heures il reste jusqu'à 15 heures de l'après-midi ce con là à regarder le chat d'un mec là.
fait quoi dessus, qu'est-ce qu'il fait, ouais. Après, genre, je comprendrais, mais ouais. Non, quoique, j'aurais un enfant, en vrai, je lui dirais, mais wesh. Modérateur, ça pue la merde, en fait, wesh. Ah! Verrouillage du serveur. L'antenne parabolique est actuellement en position fixe. Putain! Ça va arriver. J'ai une console d'annulation près des transmetteurs. Peut-être là? Ah, ok, ouais, t'es ton propre appart, quoi. La lenteur. Putain, la lenteur, wesh. Je suis chez ma tante. Ah, ok. Je peux pas aller plus vite. Que je crie pas. Tant que je crie pas. Et là, je suis en lumineuse des max là, c'est de ma gueule là. Et toi, t'as jamais pensé à streamer, toi? Ou alors tu préfères rester dans l'ombre? Alors, je vais faire quoi? Faut pas le brusquer de ouf. Allumé. Ouais, c'est vrai que même moi en vrai, c'est vrai qu'il faut quand même quand même pas mal de matos pour streamer quand même hein. Et même déjà juste une bonne faut déjà avoir une bonne connexion internet. Putain. Oh la lenteur. Putain. T'as dans une semaine les vacances. Quel plaisir. Putain, j'espère qu'ils vont pas me trouver du taf direct. Histoire, je prends une petite semaine là. Une semaine ou deux. La lenteur, la. Voilà. Les coordonnées du Torrens. 35-75, c'est pas ça? Ah mais c'est une radio en fait. Ah mais il y a le truc là. Ah ok. Trente-cinq. C'est une radio en fait. Est-ce que si je mets 102.4 ça me fait Skyrock ou pas? Et là 75, ok. Oh la lenteur. Oh la la, putain. Mais est-ce que vraiment quand les mecs ils ont fait le jeu ils se sont dit putain ça va être trop marrant en fait. Et on va faire un truc mais hyper lent sa mère hein. Oh là là, comme ça va être
bien bien lent et il va être trop marrant quoi. Oh, ça me fume. Et là? Putain. Ça c'est la 5G hein. C'est ça la 5G hein. Quand tu vas faire le vaccin, t'as une petite puce. Il y a dans la station spatiale internationale, t'as un truc comme ça. Et là, comme ça, pfiou, comme ça là. Dans le cerveau, hop, il a un contrôle, qui a tout son contrôlé. Et ça, c'est un plan des reptiliens, ça. Des reptiliens illuminati. Bah oui, c'est ça, c'est un 5G. Mets-toi en position. Mais si, c'est ça, regarde, c'est un 5G, wesh. Et du coup, je vais où, là? Oh là là. Bah oui, c'est pour nous contrôler, ça. Macroniste. Oh, je suis même pas anti-vaccin, je m'en bats les steaks. Bah oui, t'as vu, casse les couilles. Attends, je devais les contacter. Maintenant, je dois faire quoi? Trouver un moyen d'amarrer le torrent. Putain, c'est vraiment... Mais c'est... C'est vraiment... C'est Invasion Alien Simulator, quoi, en fait. Mais il est con, quoi, lui. Attends, c'était quoi, déjà? Je peux pas courir. Attends, c'était quoi la phrase qu'il faisait, qu'il disait? Ah, c'était quoi? Ton passe, passe rap. Non, c'était quoi? Ton passe, on n'en veut pas. Ton passe, on n'en veut pas. Ah, elle est ouf, hein. Macron, démission. Ah ouais. C'est des ouf, hein. J'aurais bien voulu, je suis drôle. Putain. J'ai même pas pensé, ça me ferait trop rire. Tu sais qu'il y a Dispagic et Marcel, j'ai oublié son nom, qui sont québécois. J'aurais bien voulu, j'ai jamais pensé à leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient des Français et qu'est-ce qu'ils pensent de la France. Ça serait trop drôle en vrai de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça se trouve, on leur demande. Marcel, tu le mets. Tu mets Marcel en vocal. Tu lui. Attends. Allez. Tu mets Marcel en vocal. Tu lui dis, Marcel, t'en penses quoi de la France? Il va dire, les gens qui parlent français ont tellement de charisme. Qui connaît, wesh? Ah, je suis mort, wesh. La gens qui parle en... Ouais, c'est bon. Tra les tueurs. Qui a la ref de Pokémon? Des tueurs. La gens qui parle en français ont tellement de charisme. Ça, c'est trop drôle, ça, en vrai. Tac. Tac. Oh putain, un ascenseur encore. Gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. On se casse. Gilet jaune. Ah, elle a dit on se casse. Ricardo. Buenas noches. Por favor. Sergio Ramos. Doritos. Son gros cul là. Putain, elle peut pas marcher la marche. Elle peut pas marcher, elle peut pas passer la marche. Oh putain, il est là. Ah,
Il va mourir, le con. Ah bah moi aussi, putain, c'est ouvert. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Ricardo et Ricardo. Gilet jaune. Oh, il a tué mon pote. Non, tu vas te faire ban comme Kitty Team. Putain, j'ai un lance-flamme, j'ai que 25 dedans. Ah oui, ok, ok. S'en bat les couilles. Putain, 25, ça suffit pas pour le cramer. Il faut quasiment 50 en fait pour le cramer, le mec. Putain, c'est chaud. Hein. Ouais, j'ai tenté, j'ai voulu voir 25, ça suffisait. Il suffisait qu'on s'aime. Il suffisait seulement d'aimer. Putain. Écoute, 340 du journal de bord d'Axel. Bon, va falloir rester discret. Je suis déniché. Allez, go. Au terminal des vols spatiaux. Ricardo, on se casse. Mais ça fera l'affaire. J'ai rempli un sac avec le nécessaire. Ricardo. Et j'ai ramassé quelques trucs. Tu m'entends? Ricardo, venga, venga, Ricardo. Ricardo, venga, venga. Enfin, je l'arme aussi. Mais je suis pas là non plus. Moi ici, je suis à l'écart et pas loin du terminal. Donc si le premier acte d'un vaisseau se pointe, je serai à la place. Tue-le! Oh, mais qu'est-ce que je t'en là, cet idiot là, il est relou. Alerte! Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Putain, j'en ai trois! J'en ai marre, c'est pixel. Ben non, c'est pas ça, ça explose pas, c'est des émetteurs de son. Faire du son, c'est pour le dégager. Ok, là on est bien. Ah, c'est Daco qui a sauté. Je crois que c'est parce qu'on avait mal parlé du vaccin.
Bah oui, évidemment. Bien évidemment. Par là, c'est là que je vais, c'est là que tu vas. Tu fous de mon gueule? C'est là, hein. Mais c'est même pas là, enculé. Non. Ah non. Putain. Putain, 22h. Hein. Fou. On n'hésite pas. Oh, c'est peut-être là. Ne seul pas le gentil bonhomme. Mais on sera tous comme ça quand on sera vacciné. C'est ça que t'as pas compris, c'est ça qu'ils veulent. Putain, mais c'est grave là. Verrouillé, bâtard. Oh, il a tout verrouillé, ce bâtard. Oh, bâtard, t'as verrouillé tout, sale bâtard. Oh le bâtard, t'as verrouillé ça le bâtard. Ricardo. Oh non. Ricardo. Oh Ricardo, por favor. Hola, buenas noches, del señor Ramos. Moi je trouve que ça lui va bien, hein. Y'a moyen d'avoir le même en bleu ou pas? Mais c'est quoi le bruit là? Ah mais c'est la musique qui fait ça en fait. Je crois que c'était un mec qui courait, moi. Elle pensait vraiment le récupérer en vie? Bah je sais pas, il est vivant depuis le début ce con là. Putain, j'aurais pu arriver par là plus longtemps. Après en même temps il a une mort nulle, hein. Le mec il a resté bloqué, il est resté enfermé tout le truc. Il est resté enfermé v'là longtemps dans le truc, il s'est bouffé par une petite merde comme ça. Mais je dois aller où là? Oh là là. Mais attends, je peux y aller là-bas moi? Oh mais non, mais toujours plus, wesh. Ah par contre, c'est vrai qu'il a une mort un peu nulle, hein, voilà, quand même. Hein. Sauver la partie. Allez. Putain, j'espère que je vais pas faire 3 heures de live. Tu sais, je suis à combien d'heures de live déjà? Je suis à 1 heure.
atterri juste là. Ah putain, viens. Ok, cool. Peut-être plus par là. Pas dans ma connerie, j'ai réussi à trouver le bon chemin. C'est quoi ça? C'est des gens? C'est des gentils? Non, c'est des méchants ça. Tu es méchant! Méchant! Ah! Vas-y, attaque Fatal Food, Pikachu! Putain, mais qu'il est nul cet alien, il est nul! Nul l'alien, nul! Putain, il est même pas bien dressé ce chien là! Putain! T'es que 340 du journal de bord d'Axel. Bon, va falloir rester ouais, discret. Du Moi je suis déniché une petite planque au terminal des vols spatiaux. C'est pas vraiment l'hôtel 5 étoiles. Mais ça fera l'affaire. J'ai rempli un sac avec le nécessaire et j'ai ramassé quelques trucs sur le chemin en m'assurant bien sûr de nous. Ouais, mais me rencontre pas ta vie. Hein. Hop. C'est personne. Il y a trop de gens armés à présent. Ils tirent au moindre mouvement. Enfin, je... Vas-y, à demain. Mais je suis pas ma boule. Bonne nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Pas loin du terminal. Donc si le premier acte, un vaisseau se pointe, je serai en première place. Je sais même pas. Oh non. Je sais même pas ce que je stream. Ça sera la surprise. Ça. Mais c'est plus la merde ton truc là. Mais ça pue la merde. Il n'en manque pas à ramener elle. Oh là, mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Vas-y, bonne nuit hein. Repose-toi bien. Après tes 36 heures sans dormir. Surtout tu vas tellement dormir que je t'en reviendrai que mercredi hein. Ah ouais, 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 ouais. Ah tiens, un truc. Cartouche de fusil. Oh le bâtard, wesh! Putain, c'est n'importe quoi! Ah, ça va être casse-couille! Oh là là! Ça me casse les couilles! Loulou, loulou! Oh là 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 là! Oh la vache!
Ramasser et prendre un replay, ok. Tic 340 du journal de bord d'Axel. Bon, va falloir rester discret. Je vais dénicher une petite planque au terminal des vols spatiaux. C'est pas vraiment l'hôtel 5 étoiles, mais ça fera l'affaire. J'ai rempli un sac avec le nécessaire et j'ai ramassé quelques trucs sur le chemin en m'assurant bien sûr de ne croiser. Donc là je descends. Personne. Il y a trop de gens armés à présent. Ils tirent au moindre mouvement. Enfin, j'ai une arme aussi. Mais je suis pas ma boule. Au moins ici, je suis à l'écart et pas loin du terminal. Tac. Là, donc si par miracle un vaisseau se pointe, je serai en première classe. Putain, c'est un cul-de-sac. Mais forcément qu'il est là, cet idiot. Il est relou lui là, wesh. Et c'est ça même de rester en vie. Il y a que 340 du journal de bord d'Axel. Bon, va falloir rester discret. Je suis déniché une petite planque au terminal des vols spatiaux. C'est pas vraiment l'hôtel 5 étoiles, mais ça fera l'affaire. J'ai rempli un sac avec le nécessaire et j'ai ramassé quelques trucs sur le chemin en m'assurant bien sûr de ne croiser personne. Putain la vache. Oh non, 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 non. Putain, c'est chaud, hein. Est fermé? Non. Thank you.
dans le conduit, ce petit bâtard. C'est ça? Il était dans le conduit, ce petit bâtard. Putain, je suis dans un cul-de-sac en plus. Je reviens. Je vais aux toilettes. Putain, on va se faire niquer, ça va me faire 3 heures de stream, 1h10 déjà. Bien fait quand même, quand tu le vois se balader dans les tuyaux. Oui. C'est grave, mais c'est grave, mais c'est comment tu veux que je m'enfuis? Mais c'est grave là, non? Comment ils veulent que je m'enfuis là, wesh? Dites-le 340 du journal de bord d'action. Putain, genre faut que je trace en fait, c'est la merde. Hein. Moi je vais dénicher une petite planque au terminal des vols spatiaux. C'est pas vraiment l'hôtel ça. Putain, je m'étais mis bien et putain, je me mets un putain de sac de merde. J'ai ramassé quelques trucs sur le chemin en m'assurant bien sûr de ne croiser personne. Il y a trop de gens armés à présent, ils tirent au moindre mouvement. Enfin, j'ai une arme aussi, mais je suis pas ma boule. Au
Je peux ma boule. Je suis à l'écart et pas loin du terminal. Donc si le premier acte, un vaisseau se pointe, je serai en première classe. Qui fume qui? Qui fume qui? Hein, qui fume qui? Voilà. Mais je te jure qu'au moins, s'il y a un délire comme ça, mais je reste dans un placard toute ma vie en fait. Mais quelle poisse! Mais non! Putain! Ah, c'est grave, hein! Putain, j'ai pas de chance là, wesh! Putain, j'ai pas de balles, j'ai pas de lance-flammes, j'ai rien. C'est pas vraiment l'hôtel 5 étoiles, mais ça fera l'affaire. J'ai rempli un sac avec le nécessaire et j'ai ramassé quelques trucs sur le chemin en m'assurant bien sûr de ne croiser personne. Il y a trop de gens armés à présent, ils tirent au moindre mouvement. Enfin, j'ai une arme aussi, mais je suis pas ma boule. Moi ici, je suis à l'écart et pas loin du terminal. Donc si le premier rug d'un vaisseau se pointe,
serai plus tranquille si je passe par là. Ouais, peut-être que je gagnerai plus de quelques mètres. Je crois que c'était l'alien qui... C'est un putain de cul-de-sac ça, ouais. Putain, quel truc de merde. Putain, c'est vraiment... C'est nul. Putain, c'est nul. Il va me la refaire ce chien. Je vois où je pars. Que 340 du journal de bord d'Axel. Bon, va falloir rester discret. Putain, c'est incroyable, hein. C'est pas de chance, là, putain. C'est pas vraiment l'hôtel 5 étoiles, mais ça fera l'affaire. J'ai rempli un sac avec le nécessaire et j'ai ramassé quelques trucs sur le chemin en m'assurant bien sûr de ne croiser personne. Il y a trop de gens armés à présent, ils tirent au moindre mouvement. Enfin, j'ai une arme aussi, mais je suis pas malade. Moi, ici, je suis à l'écart et pas loin du terminal. Donc si le premier acte, un vaisseau se pointe, je serai en première place. Ça? Ça peut être que ça. J'ai vu les autres, j'ai entendu les autres se faire attaquer, j'ai dit eh, c'est bon, nique sa mère. Je me casse. Je me tire. Non 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 non. La, laisse-moi partir loin d'ici. Wow, wow, Rasputin. Nanana. Ah yes. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai dormi. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Imagine, t'as l'impression que tu te fais cambrioler. Gardez votre calme.
tu rentres dans le salon comme ça, tu fais hey, y'a quelqu'un? Y'a un mec qui te répond, non y'a personne. Il serait pas grave con en vrai. Les fameux sous-pixels de merde. J'ai pas sauvegardé. J'espère que ça sauvegarde automatiquement. Faites pas les putes. Oh yes. Putain, mais j'ai pas de chance aussi là, c'est de la merde ce jeu là, putain. Ah ça me casse les couilles wesh, j'ai pas les mots, putain. Bah c'est ça mon problème moi. Je te jure que des fois je peux faire des trucs. Eh du génie hein. Mais un génie hein. Et des fois je suis con sa mère, mais c'est jamais, tu sais. Moi pour être putain une personne putain tellement incroyable, tu vois. Sauf que moi j'ai pas l'entre-deux qu'il faut, tu vois. C'est à moi, c'est soit je suis con, soit je suis un génie, tu vois. Quoi? Ah non, j'ai pas compris là. Il y a rien qui allait quand j'y pense. Mais non! Comment je me sors de cette épave? Ah, tiens, baisse ta mère, toi. J'avais trouvé du carburant en plus, putain, il est vraiment un et demi, putain c'est... J'avais pas les mots, j'avais pas les mots, nanana. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Je sais pas que je sauvegarde, je suis con moi. Bah dans le doute on sait jamais. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Donc là y'a rien. J'avais pas les mots, j'avais pas. Non. Ça faut le finir ce soir hein.
sais même pas où est-ce qu'il faut aller. Sinclair au rapport. Vous avez mis trop de temps. J'ai été obligé de boucler cet endroit et de prendre le dernier transit. On ne peut pas se permettre de laisser le sanctuaire grand ouvert. Il suffit qu'une seule créature s'infiltre et toutes les provisions et armes qu'on a ramassées seront foutues. Ah oui, c'est vrai, je le vais à midi. On va rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Je suis navré. Mais quand vous avez commencé à poursuivre un vaisseau qui ne viendrait jamais... Vous avez dévié du plan. Sinclair terminé. C'est quoi cette merde? Bouge! Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un avec qui vous déconnez? Je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Oh, ça suffit! Allez, rentre chez ta mère, bâtard! Allez, rentre chez ta mère, sale bâtard! Vite, faut que je me dépêche. Bah, j'ai un mot de passe, je sais pas quoi faire. Cachette. Non, c'est bon, c'est fermé la porte. Putain, quel enfer. Ouh. Du coup c'est bon là ? Putain. J'ai sauvegardé. Putain, l'enlisement, c'est incroyable. Bah franchement, s'il y en avait qui se posaient la question de le faire ou qui veulent le confier à quelqu'un, non.
Heureusement, j'ai sauvegardé, hein. J'ai pas tard, wesh. S'il y en a qui veulent le conseiller à des potes ou quoi, putain, il est bien. Parce qu'il dure longtemps, hein, putain. Tiens, ça pue. Oh le bâtard. Ah non. Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que le jeu était nul hein. Moi j'ai dit le jeu il est hyper bien hein. C'est cela le niveau où non mais vraiment le niveau où il y a on est dans l'antre de l'alien à moitié là vraiment mais il pue sa mère hein. Mais non, mais non. Non, le jeu il est bien. C'est ce qui le truc avec l'antre de la bête là, mais il éclatait sa mère. Oh, avec le bug plus le trou qu'il fallait trouver. Non mais c'est quel est l'intérêt? Bah qui te dit? Bah non, ça veut rien dire. T'as combien de points de chaîne là? Deux cas? Bah si je mets un truc à 2 millions, tu vas radar ski toi. Hein? Si je mets des trucs à 2 millions. Alors? C'est clair. J'ai pas compris là. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots, moi j'ai pas compris où je dois aller. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On n'attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Putain. Je me demande encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Ah, mais ça se trouve, je pourrais faire peut-être plus de trucs avec les points de chaîne. Parce que là, moi, je t'ai dit. Sur le stream, moi, je stream avec la. C'est une blague. Putain, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Mais non, mais c'est une putain de blague, elle se fout de ma gueule, elle. Non, mais elle se fout de ma gueule. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une putain de blague. Non, mais là, attendez, vous avez bien vu que je l'ai jeté au bon endroit. Non, mais là, c'est. Je me suis décalé du truc. Non, mais je me suis décalé du truc, là. Non, mais c'est une blague. Elle se fout de ma gueule, là.
Putain, j'espère que ça a sauvegardé, parce que j'ai le seum, hein. Putain, mais... 1h37, je suis vraiment une merde. Mais qui est-ce que c'est que cette merde? Je suis où, moi? Mais je suis où, moi? Oh la putain de ta grand-mère! Oh là là! Oh là là! Tu m'étonnes que j'ai pas capté où j'étais, non mais. Putain, salope là! Oh les bâtards! Oh les bâtards! Oh non, mais je vais faire un stream de 3 heures, j'ai le seum! J'aurais dû faire ça samedi. Lundi, je veux dire. Oh les portes là, vous pouvez pas fermer vos gueules là. Putain, c'est pas là qu'on sauvegarde. Du coup lundi en vrai je sais même pas quoi faire comme comme jeu. Je sais pas si je remets du Dark Souls ou je mets un autre jeu. Minecraft. C'est vrai que limite je pourrais faire du le Dark Souls lundi, lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Limite c'est quoi, ouais, je vais mettre du Minecraft le mardi et le jeudi. Attends, je réfléchis. Attends, non, tu sais quoi? Attends, on va voir ça après. J'ai quoi là? J'ai ma liste ou pas moi là? Ah oui. Mais non, c'est pas ma bonne liste, hein. C'est des effets, ça. Mais... C'est pas ma bonne liste. Hein. Bah alors, Maurice. Ah, je sais pas où ma liste. Ah merde, le con. Moi, je sais plus. Ah, là, là, là. J'avais barré l'animation ou quoi? Ah voilà, attends. Attendez. Wolf Among Us. Putain. Crayon de merde. Allez, le crayon là. Oh là là, j'ai les moins moins, toi en plus. Wolf Among Us, c'est fait. Alien Isolation, c'est fait. Bloodborne. Pom 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 pom. The Witcher. Soit on fait du Minecraft, sinon on aurait pu faire du Batman, la série Telltale. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Est-ce qu'on va dire que toi t'es un peu nouveau? Je vais te laisser m'entraîner là-dedans. Mais moi j'aime bien faire des jeux un peu qui sont différents. Genre je fais souvent deux jeux par semaine. Et j'aime bien quand les jeux ils sont différents. Putain mais ta race. Non, attends, c'est sûr qu'il y a un truc où... Du coup genre si je fais du Dark Souls et du Batman ça peut changer un peu. Je m'en bats les couilles de ça moi, les fois tranquille quoi. Y compris sur le chat du vaisseau, malgré quelques résistances. Bah F-Taro, je m'entends pas moi. Rien à signaler.
tout le monde est présent et dans un état correct, comme il est détaillé dans le rapport que je viens d'enregistrer auprès de maman. J'ai encore quelques petites choses à régler pour mon équipement ainsi que l'initialisation des systèmes. Mais après, Minecraft aussi, ça peut le faire aussi. Hein. Mais du coup, Dark Souls, il sort en jeu principal, quoi. Ça sera le lundi, mercredi, vendredi, et le samedi soir. J'ai pas de chance. Putain, j'aurais su, j'aurais dû mettre ça lundi. Putain, oh là là. Oh, j'ai le seum. Je m'attendais pas que ce soit aussi long là. Dégage, moustique de merde. C'est vrai que je sais pas, du Batman ou du Minecraft, je sais pas. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ta gueule. Parce que personne connaît le Batman de Telltale, personne, hein. Attends, il y a peut-être un code là, non? J'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai grave le seum, hein. Putain. Ah, j'aurais dû le faire lundi, putain, sa race. J'ai hésité en plus, hein. Et je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Il me dit, si ça dure qu'une heure, putain, ça va être chiant. D'examens médicaux pré-hypersommeil ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau, malgré quelques résistances du personnel mécanicien. C'est vrai qu'un petit Minecraft aussi, ça me chaufferait bien. À part ça, préparez au départ. Ouais, je sais pas en vrai. Petit Minecraft, après Batman. Ouais, pourquoi? Putain, mais ta grand-mère aussi, c'est un cul-de-sac ça! Non, mais c'est une putain de blague là! Putain, c'est relou là! Oh, du carburant! Genre, je l'ai loupé. Alerte. Veuillez vous prendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable de synthétique d'urgence.
sais pas, un petit Minecraft, un petit Batman. Ah, je sais pas. En vrai, ça me chaufferait plus de faire un Batman. Qui peut checker vite fait, y a combien d'épisodes de Batman de Telltale hein. Bon alors au pire je checkerai après. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ouais je pense aussi hein. Du coup ça ferait... Ah merde, du coup ça fait 5. Ah, 5, elle est... ah merde, la 5 ça m'arrangerait pas des masses en fait. Faut que passe Rocky, putain. Oh là là, putain, mot de passe Rocky, sérieux. Ah mais l'ordi de tout à l'heure, j'ai regardé, y'a pas de mot de passe. Parce que du coup, ah 19,84 enculé. Faudrait que je réfléchisse en ce comment je vais caler mes jours de vacances, la fin de vacances. Comment je vais caler les streams. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station. À vous l'ordre de se donner par le coordinateur orbital d'urgence. Et alors? C'est une putain de blague. Ce que je pense, je streamerai l'après-midi et le soir. Hein. Y'a rien là. Là, c'est Kiblo. Oh putain, y'a ça. Marcel, bah Marcel t'étais pas... Hein? Quoi? T'étais pas follow Marcel? T'étais pas follow? Ou tu t'es unfollow en fait? Et après tu te refollow? Ah Marcel... Ah t'es pas obligé hein? Putain fermé. Cellulaire. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ah, ok. Attends, c'est une blague là, je vais où moi? Où vais-je? Qui suis-je? Ouais, c'est cool, mais je fais quoi du coup moi? Putain, je me lève à 5h.
Même pas, je suis un ouf, je commence à 6h. Ah. Y'a rien ici, wesh. Vous, tu m'as ramené là, ils sont cons ou quoi? Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Et tu l'as acheté combien ton PC, juste pour savoir? Ah putain, soudeur de mes couilles. Ou alors c'est un petit PC que t'as pris, non? Maintenant pour te cacher, enculé de ta mère, putain. Putain, je l'ai violé le bouton X là, c'est un truc de ouf. Ah, oh, je l'ai violé le bouton X, putain. Les examens médicaux pré-hypersommeil ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau. Malgré quelques résistances du personnel mécanicien, rien à signaler. Tout le monde est... Putain, on peut faire... Oh là là... Oh, pour tout refaire, putain. Ah, Marcel, tu l'as acheté combien ton PC? Si c'est pas indiscret, hein. Si tu veux pas donner le prix exact, tu peux en redire au million, hein, c'est pas grave, hein. Alerte, veuillez vous rendre à votre point d'évacuation. Zéro. Sa grand-mère, il fait en masse le taf. Quoi? C'est vrai, t'es québécois, toi tu l'achètes en dollars. Hey, dis-moi, tiens, Marcel, toi qui es québécois, t'en penses quoi des Français, toi? D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Tu me dis, c'est... j'aurais pas posé la question. T'en penses quoi de la France et des Français? Bah, je sais pas, ton avis. C'est bien, c'est mal. Gentil, mais on faut beaucoup à leur tête. Ah ouais. Genre on se plaint beaucoup.
Oui, exactement. Allez, rentre chez toi, bâtard. C'est vrai que moi, je suis un bon français, alors, hein. Votre pain est excellent, ouais. Bah, pff. En fait, ça dépend, en fait. En fait, t'as des trucs, c'est comme par exemple, admettons, tu vas en Italie. Mais à ceux qui... Tu vas en Italie, par exemple, tu vas dire leur pizza, mais c'est une dinguerie, tu vois. Mais pour avoir des bonnes pizzas de ouf, par exemple, faut que t'ailles dans des vraies pizzerias italiennes, tu vois. Faut pas que dans les tech, dans les trucs Abandonner la station. Genre le pain c'est pareil un peu quoi. Faut que t'ailles dans les vrais trucs quoi. Enfin après je sais pas, après je pourrais pas te dire, en vrai j'ai jamais trop voyagé. C'est vrai que je peux pas comparer le pain des autres. Par contre, j'avais un pote, moi, il était sénégalais. Il m'a raconté que le pain au Sénégal, il était dégueulasse. C'était du pain tout mou, dégueulasse, là. Et le matin, il mangeait du pain tout mou, dégueulasse, avec de la mayonnaise. Mais après, ouais, je pense, en vrai, c'est comme la bouffe française. Genre, la bouffe française, c'est hyper réputé. Mais faut aller dans des bons endroits, quoi. Faut aller dans les bons endroits pour manger de la bonne bouffe française, quoi. Tu as des endroits où ils vont faire que du surgelé. Par exemple, les trucs à Paris, près de la Tour Eiffel, le loyer des restaurants, il est tellement cher que ceux qui travaillent dans ces restaurants-là, ils sont obligés de te faire bouffer de la merde quasiment, tu vois. Donc toi, tu vas y aller, par exemple, admettons, tu vas y aller en France. Tu vas dire putain, je vais aller éteindre, je suis au pied de la Tour Eiffel, je vais manger un restaurant au pied de la Tour Eiffel, tu vois, tu vas te faire un kiff. Et bah tu vas manger un truc dégueulasse. Et tu vas dire mais putain, mais en vrai c'est dégueulasse en fait. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné. Par le coordinateur en pita d'urgence. Ah mais en Bretagne c'est bien hein. Après moi je suis à Nantes. Ok, Nantes avant c'était breton et maintenant apparemment c'est plus breton. Mais l'enlisement. Oh, du carburant. Il y a des dingueries, hein. Pour moi, en vrai, si je voyage dans d'autres pays, j'ai juré, c'est que pour bouffer. Hein. Moi, en soir, c'est stylé, c'est sympa de visiter, tu vois. Non, en vrai, moi, si je vais dans un autre pays, c'est que pour bouffer, hein, surtout. Hein. Quoi ça alors? Putain, il faut que j'aille où là? Carburant.
Putain. Putain, tu m'auras pas deux fois, bâtard. Écoutez, que vous faites partie de l'équipe, on a cédé le sanctuaire du quartier d'habitation. Il y a une entrée et une sortie. J'ai encore quelques groupes de raids en route pour piller des provisions et des armes, mais j'ai l'impression qu'on va fermer juste à temps. Les synthétiques de Sixon ont commencé à se faire. Ça me casse les couilles, les trucs où il faut faire 15 000 trucs là, putain. Dans des lieux publics. Alors faites gaffe. Après évacuation, vous êtes obligé de ne pas regagner la station. Putain, il est carburant. Bah alors, salope! Et toi là. Eh oui, bolos va. Générateur opérationnel, tu fous de la gueule là. C'est quoi le problème là? Ah ta grand-mère! Non, vas-y, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est mort, il est 23h, wesh. Ouais, 2h04, putain, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Et lundi, on fera un petit live, on finira à l'inisolation. Hein. Au pire, ce qu'on se fait, on vous regardera le planning. Ah non, vas-y, il est 23h, je me lève à 5h. C'est mort. Hein. Après là faut que je mets les redis sur YouTube et oh non c'est mort. Ah ouais c'est mort là. Après faut que je fais non la flemme, faut que je me couche à minuit. Hein. Ah la flemme. Ce qu'on va faire au pire, et vous regarderez le planning, ce qu'on va faire c'est que je vais mettre à l'isolation, hein, où on finit à l'isolation. Et on fera un épisode, on mettra Batman. Le lundi. Ah, oh, quoi, qu'est-ce que je mets Batman? Ah, est-ce que je mets Batman? Putain, sa grand-mère là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, au pire, vas-y, c'est quoi, je vais réfléchir à ça, là. Et je vous redis ça, de toute façon, à 23h, c'est mort, je me lève à 5h. Non, même pas, oh là là, faut que je me lève à 4h30. Même pas à 4h, oh putain. Putain, il me reste pas beaucoup. Non, vas-y, attendez, vas-y, c'est quoi, je recommence. Vas-y, faut que je le finisse, cet enculé, là. Putain, c'est relou, j'aurais su, oh là là, putain. C'était de ta faute, Arcas, hein. Y compris sur le chat du vaisseau, malgré quelques résistances du personnel mécanicien. Rien à signaler, tout le monde est présent et dans un état correct, comme il est détaillé dans le rapport que je viens d'enregistrer auprès de maman. J'ai encore quelques petites choses à régler pour mon équipement ainsi que l'initialisation des systèmes. À part ça, on est paré au départ. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Oh là là, putain le réflexe. Ta grand-mère, c'est sérieux là? Putain, c'est de ta faute ça, Arcas. Ça. Et tu veux de VIP en plus, hein? Putain. Les sommeils ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau. Toujours de ma faute, mais faut toujours trouver un coupable. Rien à signaler. Tout le monde est présent. De toute façon, règle numéro 1 du streaming, c'est toujours le streamer qui a raison. Enregistré auprès de maman. J'ai encore quelques petites choses à régler pour mon équipement ainsi que l'initialisation des systèmes. À part ça, on est paré au départ. Abandonnez la station.
carte magnétique. Mais c'est quoi l'objectif? Putain. Putain, je dois aller où moi du coup? Hein? Pff, c'est de ma gueule. Allez, re-rends dans ton bordel là. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Ah, j'arrête. Non, j'arrête, c'est mort. On n'y arrivera pas ce soir, c'est mort. Oh, putain, on aura fait quand même 2 heures de live. Putain, à 2h11, c'est pas possible. Hein. Putain, mais quel jeune. Oh là là, Arca, tu te casses les couilles. Putain, pourquoi tu m'as chauffé pour faire 9 heures de live, toi aussi? Putain. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je t'ai chauffé, tu m'as dit vas-y va jusqu'à 3h. Ouais ouais tu m'as chauffé, après j'ai dit vas-y. Tu m'as dit vas-y va jusqu'à 3h, t'inquiète, c'est le week-end. Sauf qu'après à 3h du matin, ah j'étais chaud. Vas-y, jusqu'à 4h. Ah vas-y, jusqu'à 5h, c'est le week-end. Putain. Ah j'ai le seum, putain j'avais trop envie de le finir ce con de jeu de merde là. Attends, en plus là c'est... Ah putain ça me gratte. Parce que là je suis sûr que là, il nous reste quoi, 30 minutes, 30-40 minutes je suis sûr. Putain, incroyable, hein. Oh, c'est grave. Mais vas-y, bref. Demain, Alien Isolation, demain, du coup. On va finir le jeu. Faudra mater là, faudra regarder le plan. Non, pire, ce que je vais faire, c'est que demain, je finis à 14h.
Au pire, je ferai à ligne isolation à 20h, 21h, histoire de le finir. Et j'espère qu'à 22h30, on pourra commencer un autre jeu. Vas-y, ouais, on fera ça. Parce que demain, je finis à 14h. Je t'ai dit à 20h, 21h, 20h peut-être, je ferai à ligne isolation. Et sinon, on fera un autre jeu à 22h30 comme ça. Normalement, 2h30 quand même. Moi, je viens de faire 2h là. Il reste pas 2h30 là quand même. Là, c'est juste on allume tout, on rentre dans le torrent, on se casse. De toute façon, il n'y a plus personne à sauver. Ouais, c'est. Non, si, c'est bon normalement. Enfin, j'espère. Bon, bah demain, je vous dis demain 20h. 20h, hein, pour aller en isolation. Et normalement à 22h30 on commencera un autre jeu. Je sais vraiment, mais moi non plus je sais. Mais personne ne sait, mais personne ne sait, wesh. Bah Arka, il m'a dit ouais t'inquiète, il reste 1 heure. Ah, je sais plus quand, wesh, il m'avait dit ça là. À 15-5 heures du mat, qu'il m'a dit ça là. T'inquiète, t'inquiète, il reste plus qu'1 heure. Ouais, t'inquiète. Alors frère, on est encore là à 23h, wesh. Mais ben oui, non, mais c'est bien en vrai qu'il. Mais genre, putain, en vrai, moi, ce que je pensais, ce que j'aurais dû faire, c'est que. Ah, j'aurais dû m'arrêter à 3h du matin, et comme ça, cette semaine, je refais du Dark Souls, je refais du Alien Isolation, et comme ça, c'est la semaine prochaine, là, avant mes vacances, je finis Alien Isolation. Comme ça, après, j'ai eu du Dark Souls un petit peu, tu vois. Comme ça, le Dark Souls, je le mets par exemple le soir, et je sais pas, tu vois, ben. Je m'arrange quoi, ce que je le finis, ça serait bien. Mais bon, t'inquiète, t'inquiète, il reste plus qu'1 heure. Ah putain. Mais bref, si demain vous voulez voir l'inisolation, demain c'est demain 20h du coup. Faut pas que j'oublie. Et après, on aura un nouveau jeu à 22h, je vais réfléchir quoi, à quoi faire. Ouais, je vais faire ça demain 20h et 22h30 un nouveau jeu. Bon, bah je vous dis bonne soirée. Ouais, t'inquiète, plus qu'1 heure. Vas-y, je vous dis bonne soirée. À demain. Putain, à demain, à moi c'est à lundi, normalement. Putain, oh, bref. Vas-y, bon, bonne soirée. Bonne fin de dimanche. Dors bien, ouais. Allez, vas-y, niquez-vous. Ah, laissez-moi tranquille, c'est bon, ouais. Bon, il est 17h. Ah, ouais, laissez-moi tranquille, c'est bon, ouais, saoulé. Allez, allez, vas-y, à demain. Bonne nuit. Ou bon après-midi, bonne fin. Allez, niquez-vous, c'est bon. Allez, salut.